Alors, vous avez vu là, donc le diff avant patine, je vais verrouiller donc mon diff central. Vous avez vu, le moteur ne s'est pas arrêté. Maintenant, je peux bloquer mon diff avant et mon, mon arrière. Ça se casse la figure, mais dans le principe, vous avez vu la différence de fonctionnement par rapport à la version originale. Là, vous avez vu, je peux passer mes trois blocages de diff absolument sans ralentir. Alors, et là, ça patine. Diff central, diff avant et l'arrière. Et on est parti. Voilà. Et ça, avec la version d'origine, c'était pas possible. Vous voyez aussi que par rapport au moteur d'origine, je suis capable de rouler bien plus lentement sans le moindre à-coup et de tout à fait contrôler ce que fait mon véhicule. Voilà. Là, je débloque tout à la volée. Ah, il y a des petits pièges sur le terrain. Voilà, là j'ai tout bloqué, vous avez vu, ça l'a fait sortir direct du trou. Et c'est... Bon là par contre, dans les ronces, il n'y a pas de chance, ça c'est sûr. Voilà. Évidemment, à ne pas faire quand on roule vite, de passer les blocages de diff à la volée une fois que vous avez fait la modif. Un petit moment d'hésitation. Et on a oublié qu'il y a un gros trou au milieu entre les deux. Ouh, ça c'était limite.
Et vous avez vu la suspension beaucoup plus molle, ne gêne absolument pas le véhicule dans les sauts. Amateur. Ah bah oui, bah forcément, si je regarde à côté. En tout cas, c'est un plaisir de rouler cet engin. Une fois que la suspension est réglée comme ça, molle à souhait. Dommage, ça y était presque. Par contre, vu comme la carrosserie tremble à l'arrière, je pense qu'il y a un plot de carrosserie qui nous a lâché en cours de route. Ouais. Donc on va y aller cool parce que j'ai pas de remplacement avec. C'est pas ce qu'on appelle cool ça. Ah ben oui, c'est malin. Ah, décidément.
Donc n'oubliez pas de toujours débloquer les diffs en cours de route si vous les avez utilisés comme là pour bon. Voilà, vous avez vu, malgré la suspension molle, un atterrissage bien à plat, tranquille, sans rebond. Donc là, l'erreur était d'avoir laissé le différentiel arrière bloqué. C'est que ça a poussé le véhicule dès qu'il a monté. C'est vrai que c'est un peu raide. Est-ce qu'on peut sortir de là? Non. Allez, on va faire le tour par là-bas. Bon, c'est pas encore un sous-8, hein.
Ah! Bon, décidément, à chaque fois que je vais faire doucement aujourd'hui, je me casse la figure. Alors, vous avez vu quand même que le Nero c'est solide, il a encaissé pas mal de gamelles. Par contre, je vais me calmer sur les sauts puisque j'ai. Vous avez vu, le deuxième plot de carrosserie m'a définitivement abandonné. On va donc finir le pack en douceur. Et on fera le nécessaire pour la carrosserie à la maison, avec très certainement une modification en utilisant derrière les quatre plots de fixation. Voilà, ses origines ont cassé net. Pas oublier qu'il fait très froid, même si c'est pas givré. Alors, je vous épargne le crapahutage. Moi, je vais rouler en douceur, finir mon pack. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.
Et là, vous avez vu, ça c'est le lock stop du quick run. J'ai coincé la roue ici sous la planche et le variateur a tout simplement sous l'augmentation de couple coupé les gaz. Dans ce cas-là, il suffit d'éteindre et de remettre en route. Ça c'est quelque chose de super puisque avec les anciens Mario, en fait, on forçait sur le à fond sur le matos et on finissait par tout cramer, ce qui n'est plus le cas maintenant. Vous avez vu que le comportement routier est 10 fois meilleur qu'à l'origine.